Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6. Nous sommes de retour et aujourd'hui pour deux nouveautés. Premièrement, la bande-annonce, le trailer de Nukedown est sorti. Nukedown sortira donc ce vendredi 1er novembre. Je pense qu'on a hâte, le jeu vient de sortir, mais Nukedown, ça reste Nukedown. Et deuxièmement, excellente nouvelle, le mode infecté vient d'arriver. Et c'est vrai que ça faisait partie un petit peu des retours que j'avais fait sur ma vidéo Avis et Prestige 1 de Black Ops 6. Où je disais, en termes de mode de jeu, il manque des petits trucs un petit peu plus audacieux. Le mode infecté, c'est un petit peu un classique et ça fait plaisir qu'ils aient pas attendu plus longtemps pour le mettre. Donc on va aller tester ça. C'est parti, on est là sur le trailer découverte. Let's go. Bien le bonjour, c'est votre vieux copain Archie Atom. Salut. Alors les couleurs magnifiques. Bienvenue sur Nukedown. Oula. Oh là, c'est la guerre. Ah, c'est Nukedown en même temps. Nukedown, ça pète dans tous les sens. Ok. La formation. Nice! La petite RCXD. Oh! Tenez bon! Je suis là! Ok, ok, ok. Ok. Il y a le petit style, ça fait plaisir. Ah, c'est une scène de cinéma. Ah, oui, forcément. Les gars qui campent un petit peu à la fenêtre, on les connaît. Boum! Bombardement. Construit avec soin et détruit avec violence. Disponible le 1er novembre. Procurez-vous l'édition coffre d'armes. Ah, et écoute, j'ai hâte! Mama! Et vraiment, tu regardes là le style de Nukedown, c'est un peu la version de Black Ops 1, mais en un peu plus lumineuse, un peu plus colorée, un peu plus pétillante. Voilà, c'est ça, c'est la version de Black Ops 1. Et alors la rumeur est que la version Nukedown va l'avoir également en plusieurs déclinaisons sur ce Black Ops 6, tel qu'on a eu plusieurs déclinaisons sur shipment sur MW3. Apparemment, ce sera la même chose sur Black Ops 6. Donc t'imagines, on a la version, ce qui a l'air d'être la plus similaire à Black Ops 1, et après peut-être une version un peu comme Black Ops 2, etc. Aïe, 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 ça promet du bon. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est classique, ça fait plaisir. J'ai hâte. 1er novembre, c'est pour bientôt. Dans quelques jours, on va pouvoir tester la map Nukedown. C'est bien qu'il l'ait pas mise tout de suite, parce que tu sais très bien que quand il sort Nukedown, on ferait que du Nukedown, tu vois. Permet de voir un peu les autres maps, etc. Mais en vue de ce qu'on a comme map, qui sont pas mauvaises, mais qui sont cool, c'est vrai que Nukedown, c'est une map nécessaire. Pour moi, c'est une des maps les plus... une des meilleures maps de l'histoire de Call of, de toute façon, donc... ça fait plaisir. Let's go, on va aller tester le mode infecté. Alors, navigation des menus et mise à jour. Nous sommes là, multijoueur. Let's go. Et yes! Information. Une fois éliminé, vous devenez infecté. Infectez tout le monde ou survivez pour gagner. On n'a pas les petites, en fait, on a toutes les maps classiques. 24 joueurs max, let's go. Mode infecté, c'est un classique sur Call of. Et c'est bien qu'il soit là quasiment dès le début à la sortie du jeu. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est ce qui pêchait un petit peu selon moi, c'est les modes de jeu. Il y en a un seul nouveau, c'est hors d'exécution. Il est rincé et ça manque un petit peu de mode de jeu un peu fun, un petit peu distraction, tu vois. Autant tu vas faire de l'escarmouche, autant tu peux faire un petit peu les petites maps, etc. Mais les modes de jeu fun, c'est aussi nécessaire pour avoir ce côté. Je suis sur le multijoueur, mais je me prends pas trop la tête, tu vois. C'est bien qu'il est mis. On attend bien évidemment le jeu d'armes et on attend... aussi des modes de jeu fun comme infecté. Il vient pas de roter. Il dit, hey, t'es un sacré dégueulasse toi mon con. Et on espère modes de jeu originaux, tels que le jeu d'armes, etc. Qui soit là dans le jeu, tu vois. Mais ça manque un petit peu de nouveauté là-dessus, dans un sens. C'est à chaque fois, c'est des classiques. Ah, on met infecté. Ah, on met kit ou double. Ah, on met jeu d'armes. Et si ça, et pourquoi pas un mode de jeu fun nouveau. Alors c'est pas évident, j'imagine à trouver, parce que ça fait des années qu'ils sont dessus. Si c'était si simple, ils l'auraient déjà fait depuis un moment. Je peux y réfléchir. Je vais réfléchir. Genre si tu fais un kill, tu gagnes un accessoire, mais si tu meurs, tu repars sans accessoire avec ton arme. Et ainsi de suite. Infecté. Ouais. Vous connaissez la mission, considérez tout. Là par contre, attends, mais... là du coup, en infecté, t'as vu la map? Elle est plus sombre que l'original. Même le son et tout. Il y a une petite ambiance Walking Dead. Déclenchement, pourvu que ce soit pas moi. C'est pas moi. Oh, avec les petits sons zombies et tout. Nice. Ouf.
Ok. Mais attends, mais les zombies, c'est pas désinfecté, si? Si, si. Ouah, il a failli m'avoir le coup! Éliminé. Attends, mais Mata, attends, mais ça respawn directement là, quoi. Attends, c'est quoi ces spawns là? C'est quoi ces spawns? Mais regarde, mais il est tout... Attends, le zombie, attends, le zombie, il est incroyable le mode infecté. Il est incroyable. Mission max et tout. C'est vraiment un mode... Ah non, mais là, c'est qu'il y a des zombies en fait, c'est ça. Il y a des zombies en plus de désinfectés. Ennemi confirmé. Waouh. Ok. Waouh, mais c'est trop bon ça. Là, tu vois, là, t'as un mode infecté. Non. Oh, quoi. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, le mode infecté. Ah, c'est... Vous avez rejoint le camp désinfecté. Ah, il est incroyable. Ah, il est incroyable. Ah, il est incroyable. Ah ouais, là on est sur du très très bon en mode infecté selon moi. Il t'insère. Mort instantané. Ah ouais. Parce que là t'as vraiment le mode... Si tu regardais le mode infecté qu'on avait sur MW3, il était insipide, tu vois. Ah ouais, c'est... Ah, je kiffe bien. Ah ouais, c'est... Grosse surprise, hein. Oh merde, je l'ai pas eu. Tant qu'à l'équipement... Ah mais là, ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué. Je peux pas récupérer les tomahawks des aliens, hein. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont bien là. Ah ouais, c'est ça a pas l'air simple hein. Il était paumé lui. Il ne reste que quelques survivants. OK, c'est bon. Il reste peu de survivants. Tu peux pas le récupérer? Ah non, mais ça c'est pas cool. Et la victoire. Avec les musiques zombies et tout. Ah, c'est mental. Waouh. Ah, la grosse surprise hein. Ah, la grosse surprise là sur l'infecté. À moi tout seul. Tu vois justement ce que j'étais en train de dire. Ils mettent les mêmes modes à chaque fois, c'est l'impression que t'as la même chose. Bah là pour le coup tu vois, c'est le mode infecté, mais version Black Ops 6. Qui est vraiment beaucoup plus proche du zombie. Ouais, je sais pas comment dire, mais on dirait qu'on est proche quand même du meilleur mode infecté qu'on ait jamais eu sur Call of, là, parce que... Y a vraiment une vibes, quoi. Alors, ça XP pas grand-chose. Ah, c'est pas là que tu vas monter prestige, 10, hein. Mais du coup, voir les autres maps... C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a des fois, on a des armes différentes. Moi, ce qui me manquait un petit peu, c'est à l'époque des MW3, où t'avais des modes infectés avec le snipe. Oh, il y a des moyens de faire des trucs de fou. Non, mais en plus, t'as la musique zombie, t'as le style et tout, c'est... Ah, c'est bueno, hein. Ouais, une balle chargée, c'était pas mal aussi. Mais tu vois, si finalement, dans les autres modes de jeu qu'ils mettent, ils mettent vraiment leur petite touche personnelle, comme là, c'est intéressant. Tu vois, c'est pas simplement dire, tiens, parce que tu vois, par exemple, le jeu d'armes qu'on a eu l'année dernière sur MW2 et MW3, c'est le jeu d'armes le plus rincé de l'histoire du jeu d'armes. Les gars, ils ont juste mis des armes, sans accessoires, sans camo, sans rien, tu fais un kit, tu changes d'arme. Ok. Ce mec, c'est un stagiaire. Tu dis, fais les jeux d'armes. Ok, c'est quoi le jeu d'armes? C'est ça. Ok, bah je fais ça. Bon, on va vite carreler, moi je carrel, hein. Parce que ce qu'il faudrait, c'est ça, tu vois, quand tu fais un jeu d'armes, par exemple, c'est à chaque élimination sans mourir, dès que tu changes d'arme, ça met un camouflage à la limite, et ça revient à zéro si tu meurs. À la limite, ça met un accessoire en plus pour les séries, tu vois. Oula. Oula. Oula, la petite. Infecté. Ok. Donc là, forcément, tu veux pas être le pigeon à être infecté au début. T'as vu mon œil? Point de ralliement établi.
avec les avec les trucs zombies, tu vois. Eh, hey, contre ta mère, c'est quoi ce délire? Ils sont trop forts, les gars. Ils sont trop forts. Ils sont trop chauds. Mais ils sont trop chauds, en fait. Ils sont trop chauds. Tiens, allez chercher ma oreillette. Bon bah écoute. T'aurais jamais dû sortir de là, toi. T'as fait une grave erreur. Attends, attends, attends. Ah ouais, d'accord. Et... il ne reste que quelques survivants. Infectez-les. Bah, on suicide pour tout faire péter. Il reste peu de survivants. Achevez-les. Ah ouais. Il ne reste que quelques survivants. Infectez-les. Ah, c'est... bon, attends, je vais aller chercher un couteau. Il reste peu de survivants. Ah, c'est pas facile, hein. Et voilà, tu voulais quoi, toi? Ah, ça a l'air pas simple, bien sûr. Ah, c'est bueno. Par contre, ce qui mettait le gars à travers le mur, mama. Il y a un mec qui s'est régalé en face, hein. Score, on voit pas les kills. Ah, dommage, j'aurais bien aimé, parce qu'il y a un mec qui s'est régalé, hein. Ah, tu joues juste pour le fun, hein. Tu joues pas pour l'XP. Donc, voilà, et au moins c'est bien, parce que le jeu est sorti il y a quelques jours, enfin il y a 4 jours, pour être précis. Ils ont déjà mis un petit mode de jeu. Et j'aime bien qu'ils mettent pas tout de suite, parce que tu sais très bien que ils te servent le truc, et après tu dis, ah, un petit mode après, et là ils vont te mettre Nuketown dans quelques jours, et après la semaine prochaine il suffit qu'ils te mettent un autre mode, et finalement ça c'est bon parce que c'est ça qui fait vivre un petit peu le jeu, c'est un petit truc nouveau de temps en temps, tu vois, un petit resservir un petit peu dans le verre, quoi. Après t'imagines, infecté sur Nuketown, ça va être n'importe quoi. Babylone. Oh, j'ai un spot. Oh, j'ai un spot. Oh, j'ai le spot. Infecté, généralement, c'était le mode où tu pouvais faire une nuque, on va dire, entre guillemets, facilement. En tout cas, on se souvient à l'époque du MW3, les Moab en infecté, c'était pas très compliqué, quoi. Hein, même sur Modern Warfare 2019, t'avais des infectés géants, tu vois, sur les grandes maps. Bon, tu pouvais faire de la nuque sans trop forcer, quoi. Je viens de faire la nuque en infecté, elle s'active et la game se finit. Ok, ok. Bon, là, sur Babylone, il y a un bon spot. Regardez. Infecté. Ah, il y a LE spot infecté, quoi, par excellence. Voilà. Ça, c'est le spot infecté par excellence, quoi. C'est bon. Pleine puissance. Bon, j'espère être pas le... on va se mettre là. Bon, on va rester là, tranquillou. Munition max. Faudra juste qu'il n'y ait pas un infecté qui monte là, sinon on est foutu. Ah bah, en plus on fait de l'XP sur les armes, c'est pas mal. Quand on est plusieurs. Ah, tu vois, y'a un mec qui veut venir avec nous là, il grimpe. Allez hop. Ça c'est du zombie, ça, c'est du zombie, ça, c'est de la diversion, ça. Exécution. Prépare pour un dernier assaut. Non ! Mais quoi ? On est 18 ! C'est moi qui mange ! On est 18 ! C'est moi qui mange ! C'est pas vrai ! Mais non ! Oh mais non !
Ah non mais... Mort instantané en plus, t'es sérieux? Mais quoi, mais... Mais je suis au bout de ma vie! Eh, c'est vraiment, c'est pas juste, hein. Eh, c'est vraiment tellement pas juste, quoi. Eh, moi, ça passe pas, hein. Moi, ça passe pas, hein. Mort instantané. Ah, là, 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 là. Voilà. Ah, il doit être dégoûté. Chez. Voilà. Il ne reste peu de survivants. HP. Il n'aurait que quelques survivants. Infectés. Vous n'avez aucune chance. Wow. Ah, c'est le spot, hein, mais. Oh non, mais je suis tellement dégoûté, quoi. Oh la kill cam de 500, je me suis régalé en la regardant. Le mec qui a fait 2 kills quoi. Incroyable. Incroyable. Oh la meilleure action de la game quoi. Ah non mais le gars il a mis une hache quoi. On était 18, il met une hache, c'est moi. C'est chacun mon tour, j'ai l'impression de mourir au début quoi. Je peux pas avoir J'ai pas le droit au bonheur moi. J'ai pas le droit au bonheur. Mama. On s'en fait une petite dernière. En tout cas, infecté, validé sur Black Ops 6. Est-ce qu'il y a le snipe en infecté? Parce que c'est vrai que le snipe en infecté, il y a un truc spécial aussi. On se souvient une petite game. Est-ce qu'il y a des anciens qui se souviennent? Infinite Warfare, Terminal, Intervention, Infecté. Ah, il y a des gens qui se souviennent de ça? Ça date, hein, mais je me souviens encore de cette game. Il y a des games comme ça qui marquent. J'ai tellement pété un plomb, c'était fou, hein. Ouais, alors, du coup, là, on est juste... Infecté. Traquer et infecter les survivants. Bon. Là, il faut trouver le spot. Bah, est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Ah non. Parce que là, en infecté, tu te mets dans l'eau, il y a moyen de... d'échapper au truc, non? Ou c'est interdit de se mettre dans l'eau? Non, on a le droit de se mettre dans l'eau. Ah, y en a un vrai. Il y avait du faux. Faut que je trouve un spot là. Je vais peut-être me mettre au fond là-haut. Ah oh! Il cinglait lui! Est-ce qu'on peut se mettre là Ouh. Pleine puissance. Je lance un piège explosif. Il y a deux infectés. Ah, dépêchez-vous les gars. Pleine puissance. À moi. Dépêchez-vous d'en finir. Bah ouais, mais pour l'instant ils prennent leur temps les gars. Oh, les infectés là. Ah, il y en a un qui a quitté. Ah mince. Eh, hey, on fait de l'XP. Ah vas-y. Vas-y. Je suis un aimant à âge de combat. Tu te moques de moi? Non mais gars. Vous êtes infecté. Il y a un plan de blague. Mais t'es pas rendu compte. Ah là 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 là. Mais après c'est chiant, tu sais. Genre, je sais que tu dois rester dans un spot et attendre. Mais je peux pas, je peux pas. Ah
Ah ouais, d'accord, j'ai vu leur spot. Ils ont déjà le spot, eux. Les coquins. Et là-dedans, non? Oh! Mais oui! Mais oui, mais personne te trouve là-dedans! Oh là là, le cache-cache de Zinzin! Oh là là! Ah, ils vont la gagner, hein! Ah, mais t'as vu où on respawn? Non mais, hé, hey, t'es pas en train de te moquer de moi un petit peu, là, le jeu? Mais il se fout de ma gueule! Qui sont là? Attends, mais quoi? Mais pardon? Non, mais attends, mais le gars, non, mais. Mais c'est les meilleurs joueurs du monde! Le mec, il vise comme ça, à la seconde, je suis là, hop, 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 et après, il retourne. Mais. Je n'y crois pas. Par contre, les haches de combat. Elles sont horribles, elles sont horribles les haches de combat. Et pour l'instant, tu les lances, ça fait comme ça. Ah d'accord. Les zigouillés. Ah d'accord. Ok. Ok, n'en dites pas plus. Il était sous le sol, je m'éclate, ah bah ouais. Ah bah ouais, on risquait pas de gagner comme ça, hein. Le mec, il est sous le sol. Il triche. Tricheur. Ah bah bravo. Ah bah bravo. 4 ans de développement pour ça. Ah bah bravo. Comment il s'appelait ce fils de poulpe là? Je sais même plus. Ah vas-y, allez. Ah man. 2300 XP, elle est trop content. Elle est trop content. Voilà, le mode infecté, bon, mis à part là, cette game qui était... on va l'appeler la game de trop, mais bon, c'est vrai que j'avais déjà vu un clip sur les réseaux, il y a un spot comme ça où les gens peuvent se mettre dans le sol. Et tu connais la communauté, hein? S'il y a une faille à exploiter, ils foncent dedans, ils foncent dedans. C'est comme ça, j'espère que ça sera réglé assez rapidement. On va pas non plus laisser ce pignouf entacher le fait que l'infecté, il est validé à 100%. Vraiment super fun. Là, je suis tout seul, mais j'imagine encore plus avec des potes. Ça doit être vraiment sympa. Hâte de voir ce que ça donne pour la suite. Et Nuketown qui arrive le 1er novembre. Je pense qu'on a tous hâte de voir ça. Et c'est pas mal. Déjà, des petites nouveautés qui arrivent après quelques jours après la sortie du jeu. C'est bien. Ça fait plaisir.